C'est une clé? Mieux. Bien plus mieux. C'est là le croquis d'une clé. Les amis, à quoi servent les clés au juste? Les clés déverrouillent des trucs. Et quoi que cette clé déverrouille à l'intérieur, il y a sûrement un objet de valeur. On va donc chercher à découvrir ce que cette clé déverrouille. Non. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille? Alors, faut d'abord trouver la clé! Ce que tu dis n'a aucun sens. Éloigne-toi de là! Tu n'as pas la permission de monter à bord de ce navire! J'ai pas pu résister, c'est un superbe bateau. Navire. Comment tu t'appelles? Smith. Ou Smithy pour les intimes. Qu'êtes-vous venu faire à Port-Royal, Monsieur Smith? Et pas dans ton loop! Très bien. Autant avouer. J'ai l'intention de réquisitionner un de ces bâtiments, de trouver des matelots à Tortuga et de piller, voler et saccager comme un forban sans âme et sans cœur. J'ai dit pas dans ton loop! Il dit la vérité, j'en suis sûr. S'il disait la vérité, jamais il nous l'aurait dit. Sauf s'il savait que vous refuseriez de le croire, même s'il avouait tout. Scarlett! Je suis pas sûr que je la mérite. Gisèle! C'est qui celle-là? Qui? Vous avez peut-être mérité. Mais je vous promets, mes colombes, que vous ne serez pas déçus. C'est ça? Le Black Pearl? Il est pas très grand. Ma poule, ça c'est un canot. Oh. Mon vaisseau est magnifique et féroce et énorme et ailleurs. Pourquoi ailleurs? C'est pas celui-là? Si, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? De près, il fait plus grand. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Mes chéris, veuillez fermer votre caquet. Écoutez-moi. Oui, je t'ai menti. Non, tu n'es pas mon genre. Bien sûr que cette robe te boudine. Je suis jamais allé à Bruxelles. Ça se prononce irrévérencieux. Figure-toi que non. J'ai jamais rencontré Pizarro, mais j'aime ses pizzas. Et tout cela n'a pas la moindre importance à côté du fait que mon navire s'est envolé une fois de plus. Compris? Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers! C'est sûrement les Français. Ils nous ont volé le navire! Sparrow et Turner se sont emparés de l'Intrépide! Téméraire, Turner. Trop téméraire. C'est décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Fouillez toutes les cabines! Fouillez tout jusqu'à fond de cale! Allez, fouillez tout! Fouillez tout jusqu'à fond de cale!
Maman va bien? Et la bonne mine. Les amis! Que ce jour reste dans vos mémoires, comme celui où vous avez failli. Thank you.